Depuis son inauguration en décembre 2018, le Musée des civilisations noires n'a cessé d'accueillir des expositions de grande échelle, des conférences et des réunions scientifiques. Le musée a été construit grâce à une coopération entre le Sénégal et la Chine. Je pense que le musée le plus important, en Afrique aussi d'ailleurs, je pense que c'est l'une des institutions les plus importantes et dans le monde aussi. Ce musée accueille tous les artistes africains et ce musée devient un carrefour des arts contemporains de l'Afrique. Surtout, le musée est construit par la République populaire de Chine. Et puis c'est une coopération entre le Sénégal et la Chine. Je suis vraiment très très fier de voir ça. Bâti sur une surface totale de 14 000 m², ce musée a coûté plus de 30 millions d'euros et peut accueillir jusqu'à 18 000 pièces d'exposition. Et ce musée est devenu une opportunité pour les artistes contemporains. Grâce à la Chine, la coopération Chine, et c'est tout un symbole que ce musée, sur la base d'une orientation architecturale qui s'inspire des cases à impluvium de la Casamance et également des cases rondes du Grand Zimbabwe. Ce musée des civilisations noires est devenu le creuset de pièces authentiques et d'œuvres originales qui retracent la puissante marche de l'humanité et l'évolution du monde noir et de ses gens.